Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore sur Nyang's Reborn. Oui, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous et que Dieu vous bénisse tous. Hier encore dans nos recherches, dans mes recherches en particulier, je suis tombé sur quelque chose d'assez compliqué. Vraiment quelque chose de vraiment compliqué. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette histoire. J'écoutais le témoignage d'une femme. Et cette femme-là disait que elle a tout fait. Elle a allé sur plusieurs hommes de Dieu. Même là où il ne faut pas aller, elle allait. Elle est chez les marabouts, chez les féticheurs. C'est toutes sortes de personnes pour la solution, mais ça n'a pas marché. Elle allait à l'église catholique, à l'église protestante, à l'église évangélique. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc elle dit, bon, puisque ça ne marche pas, je n'ai plus gaspillé mon argent là-bas. Je vais tout simplement utiliser mon argent pour aller boire des bières. Mes frères et sœurs, elle dit qu'elle a tout essayé. Elle a cherché Dieu partout et elle n'en a pas trouvé. Quand on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi tu cherches Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à le chercher? Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, je le cherche parce que j'ai besoin de visa, je veux voyager. Ah bon? Donc c'est à cause du visa et parce que tu veux voyager que tu cherches Dieu. Ça veut dire que une fois que Dieu t'a accordé, par exemple, ce que tu recherches là, tu vas retourner dans la boîte, dans le maquis pour boire toutes les bières qui sont là-bas, pour t'enivrer. Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, c'est incroyable ce dont nous allons vous parler ici, ce dont nous sommes en train de vous révéler ici, c'est incroyable. Voici le peuple de Dieu qui veut voir Dieu, qui veut un miracle de Dieu, en même temps ne veut pas abandonner son péché. Le peuple de Dieu, ils disent tous qu'on veut un miracle de Dieu, on veut un miracle. Seigneur, sauve-nous. Dieu, aide-nous, délivre-nous. Mais ne veulent pas abandonner leurs péchés, leurs mauvaises actions. Tout ce qu'ils font qui est mauvais là. Et ils disent non, on ne veut pas abandonner ces choses. Mais on veut quand même un miracle divin. On veut que Dieu nous aide. On veut que Dieu nous délivre. Vous allez le voir, ils vont aller chez plusieurs hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui font des miracles. Pour que l'homme de Dieu intercède à leur faveur et que Dieu puisse leur accorder le passeport pour qu'ils voyagent, pour qu'ils se marient. Dieu leur a accordé le bon mari. Dieu va certains ont dit que je suis là pour le travail. D'autres ont dit que je suis là pour autre chose. Mais quand ils se retrouvent seuls à la maison, ils ont leur péché sur eux. Ils vont même dans les boîtes de nuit. Certaines personnes sont des prostituées. D'autres même s'habillent de façon sexy pour séduire. Même pour séduire même l'homme de Dieu, mais qui sont venus voir là. Quoi? Hey!
Hey, c'est incroyable. Le peuple de Dieu veut voir Dieu. Ils veulent un miracle de Dieu, mais ne veulent pas abandonner leur péché. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Nous allons vous révéler également aujourd'hui là. Nous allons vous révéler aujourd'hui ce que Dieu vraiment recherche. Qu'est-ce qu'il donne? Ce que vous voulez avoir chez Dieu là. Est-ce que vous allez l'avoir? Nous allons vous révéler ça aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on ne suit pas Dieu à cause des miracles. C'est vrai, Dieu là, c'est un Dieu des miracles. Mais on ne le suit pas avec l'idée d'avoir du miracle. La première des choses à savoir là, c'est que quand on vient vers Dieu, on vient pour se repentir d'abord. On vient pour dire, Seigneur, franchement, je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, pour que ton sang qui est versé là puisse me purifier, pour que ton sang qui est versé là puisse me laver et que je puisse être sauvé. La priorité, c'est de sauver mon âme. Sauve mon âme aujourd'hui, Seigneur, et délivre-moi. Une fois que votre âme est sauvée là, c'est fini. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de personnes qui vont à l'église, même qui vont même devant Dieu, qui prient, Seigneur, donne-moi le voyage, donne-moi le miracle. Ah! Le miracle que vous demandez, le voyage que vous demandez là, c'est un ange qui l'envoie. Imaginez, l'ange de Dieu qui va envoyer ce miracle là, s'il vient avec ce miracle, avec ce voyage, avec toutes ces bénédictions chez vous, et qui vous trouve sale, ou bien il vous trouve dans une position de combat, où vous êtes en guerre avec des démons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner avec ça. Et Dieu va envoyer d'autres anges dans le combat de la délivrance, de votre délivrance d'abord. Vous avez besoin que Dieu sauve votre vie. On ne saute pas des étapes chez nous. Si vous sautez des étapes, ça ne va jamais marcher. Je suis désolé. C'est pourquoi on assiste à beaucoup de personnes qui sont à l'église. Ils disent qu'ils prient matin, midi, soir, mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien, mais ils ne vont jamais voir. Vous n'allez jamais voir aujourd'hui. Tant que vous êtes encore dans vos péchés, tant que vous êtes encore dans la masturbation, et vous vous prenez, vous vous croyez même comme des, vous voyez comme des vrais hommes de Dieu là, vous ne verrez jamais rien de la part de Dieu. Dieu ne va jamais intervenir à votre faveur tant que vous ne vous décidez pas à changer votre vie mauvaise, votre mauvaise action, vos mauvaises actions, tout ce qui est mauvais, qui ne glorifie pas de Dieu, dans lequel vous êtes comme vous cherchez le mari des gens et puis vous êtes à l'église. Vous n'allez jamais voir la gloire de Dieu. Il faut que quelqu'un vous le dise. Ah, fallait voir cette femme-là en train de parler. Ah, je suis allé partout. Ici, on me donne ceci. Là, on me donne cela. Mais il n'y a rien dans ma vie. Rien n'a changé dans ma vie. J'ai dit, j'allais prendre mon argent pour boire des bières. T'enivrer, c'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu te demande. Est-ce que c'est ce que Dieu vous demande? Mes frères et sœurs, même en ce moment où je parle là, il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo, qui se retrouvent dans cette situation. La première des choses à faire, mes frères et sœurs, c'est de se repentir. La main de Dieu là, elle n'est pas courte pour sauver. Dieu sait qu'on a besoin de s'épanouir, on a besoin de tout ce qu'il faut, on a besoin de dons, on a besoin de soutien. Mais la priorité, c'est de sauver des âmes. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, c'est vrai, vous cherchez des miracles, vous cherchez Dieu. La première des choses, c'est de se repentir. Demandez à Dieu de vous laver comme ça, de vous purifier, de changer votre image. Et vous-même là, changez vos voies. Revenez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit. Que Dieu lui-même soit avec vous pour vous garder et vous protéger dans toutes ces dimensions. Après tout ça là, après la délivrance, viendra la bénédiction. Après la délivrance viendra la bénédiction. Après la repentance, ce sacrifice grand que vous allez faire là, va venir maintenant la récompense. Oui! C'est là que vous allez demander à Dieu, Seigneur, franchement, je veux occuper des postes les plus élevés de ce monde, afin de prendre des décisions pour toi, afin de t'honorer, de sauver tes enfants. Dieu va regarder cela, va dire, ok, ce que tu demandes là, moi ça me plaît dans la mesure où je me retrouve dans ça. Quand tu parles de sauver les autres, les gens, sauver des trucs, ils voient que c'est pour aider aussi mon peuple. Donc je vais exaucer ta prière. Ça va prendre un temps, mais ça va se réaliser. Et Dieu va commencer à le faire. Vous aurez des difficultés. Oui, vous allez rencontrer des problèmes. Parce que ce Dieu-là, voici le chemin.
difficulté, sacrifice, et puis récompense, ou encore exploit. Je reprends, difficulté, sacrifice, et puis récompense, exploit. Vous allez rencontrer des difficultés sur le chemin de Dieu. C'est un chemin très difficile. Vous aurez même à combattre même des démons. Des démons, toutes sortes de vilaines choses. Soyez prêts. Deuxième, vous devez faire des sacrifices. Si vous êtes dans la masturbation, vous aimez bien la masturbation, vous aimez bien les femmes des gens ou les maris des gens, vous devez faire des sacrifices, c'est d'abandonner ces choses, abandonner les choses du monde, les vêtements sexy pour aller séduire les hommes de Dieu que vous faites là. Vous devez abandonner ça. Oui, ça s'appelle un sacrifice. C'est ça même qui va vous conduire à la gloire. Quand vous allez abandonner la masturbation que vous aimez là, Dieu même va sauver votre âme. Parce que tous ceux qui se masturbent là, qui meurent, qui vont à l'enfer, ils vont tous à l'enfer. Dieu va sauver votre âme. C'est bien, c'est pour vous-même. Déjà même là, ce sacrifice que vous allez faire là, c'est pas pour dire Seigneur, je fais le faire pour toi. C'est d'abord pour vous sauver vous-même votre propre vie. Parce que le péché, ça conduit à l'enfer ou encore à la mort. Donc Dieu va vous allez vous auto-sauver. Parce que vous aurez obéi au commandement de Dieu. Une fois qu'on obéit au commandement de Dieu, la bénédiction descend. Et vous devez adorer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous devez louer Dieu dans sa plénitude. Afin que Dieu lui-même puisse vous restaurer tous les jours. Et vous devez également faire d'autres sacrifices comme soutenir les veuves et les orphelins. Celui qui veut avoir la richesse là, il faut qu'il soit capable de soutenir celui qui est dans le malheur, financièrement parlant. Celui qui veut, par exemple, bien s'habiller, il faudrait qu'il soit en mesure de donner des vêtements à ceux qui sont nus, à bien les gens. Mais comment tu vas faire? Celui qui ne s'aime pas là, il ne peut pas récolter. C'est pas possible. C'est ça la condition. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ces gens, des personnes qui veulent vraiment voir la main de Dieu descendre dans leur vie. Voici des conditions. Et ça, ce n'est que la première partie. Abonnez-vous sur Yann Srebon. Abonnez-vous sur toutes les chaînes Yann Srebon. Et Dieu lui-même va vous révéler de grandes choses encore. Nous vous rappelons que demain, jeudi, il y aura un témoignage très puissant qui sera là. Ne manquez pas cette vidéo. Abonnez-vous sur toutes les chaînes Yann Srebon. Et une nouvelle chaîne Yann Srebon qui vient de naître, c'est Nyang R1. Soyez prêts. Des choses extraordinaires vous attendent. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, laissez un j'aime, partagez cette vidéo à tout le monde. Et merci à tous ceux qui feront des dons pour nous soutenir et même qui ont fait les dons. Que Dieu vous bénisse. A bientôt pour la prochaine vidéo. Let's go. Et on se reparle. Que Dieu vous garde.